Alors bonjour à tous, et heureux de vous retrouver toujours en ce mardi 15 septembre 2020, 11h24, heure du Québec. Puis on revient sur la fameuse pandémie mondiale, où on apprend Israël, via Benjamin Netanyahu, le, le premier ministre contesté hein, pour plusieurs histoires de corruption, vient de reverrouiller le pays pour un autre deux-trois semaines, je pense. Les Israéliens ont réagi. Ça nous vient de CBS News avec colère. Et consternation lundi face à un verrouillage imminent à l'échelle nationale visant à réduire l'un des taux d'infection euh, de ce fameux euh, coronavirus les plus élevés au monde apparemment en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche qu'un nouveau verrouillage à l'échelle du pays serait imposé au milieu d'une une flambée tenace des cas de coronavirus, des écoles et certaines parties de l'économie devant fermer pour tenter de réduire le taux d'infection. C'est injuste à déplorer. si Aviché, une couturière de 64 ans, quelques heures après l'annonce par Netanyahu d'un lockdown de trois semaines. Hein, un lockdown de trois semaines. Ils n'ont pas arrêté les grands rassemblements dans les synagogues, les mariages et les autres événements. Et maintenant, je ne peux plus être avec mes enfants et petits-enfants pendant les vacances, a-t-elle ajouté. L'arrêt sera mise en œuvre quelques heures avant le début du nouvel an juif, imaginez-vous, et des grandes fêtes qui incluent également le jour des expiations et le Souscote. Notre objectif est d'arrêter l'augmentation des cas et la baisse de la morbidité, a déclaré Netanyahu dans un communiqué diffusé au niveau national. Je sais que ces étapes ont un prix difficile pour nous tous. Ce ne sont pas les vacances auxquelles nous sommes habitués. Alors que les Israéliens ont largement accepté le verrouillage strict imposé au début de la pandémie en mars, cette fois, beaucoup sont frustrés par la manière dont la crise sanitaire a été gérée depuis le début de la réouverture des entreprises et des écoles en mai. Au lieu d'appliquer les règles de manière stricte et de punir systématiquement ceux qui ne portent pas de masque ou qui ont organisé des rassemblements de centaines de personnes, ils nous punissent tous collectivement, a déclaré Barak Yevin, 56 ans, directeur du Conservatoire de musique et de danse de Jérusalem. Bien que les mariages et autres événements aient été autorisés au cours de l'été, de nombreux rapports ont fait état d'Israéliens dépassant les limites du nombre et enfreignant d'autres réglementations sanitaires. Yevin a déclaré que le deuxième verrouillage constituait un véritable désastre pour les établissements d'enseignement comme son conservatoire, puisque septembre marque le début de l'année universitaire. Selon un décompte de l'AFP, la, de au cours des deux dernières semaines, Israël est deuxième derrière Bahreïn pour le taux d'infection à coronavirus le plus élevé au monde. Israël a enregistré 156 823 cas avec 1126 décès sur une population de 9 millions d'habitants. Les autorités ont poursuivi le début de l'année scolaire plus tôt ce mois-ci dans presque tous les endroits où les taux d'infection sont particulièrement élevés. La semaine dernière, le gouvernement a imposé un couvre-feu dans 40 villes et quartiers à haut risque. La grande majorité des communautés arabes et ultra-orthodoxes. Les mesures n'ont pas réussi à freiner la propagation du coronavirus et Net Netanyahu a averti dimanche que les responsables de la santé avaient agité le drapeau rouge sur la pression euh, sur les hôpitaux. Des rumeurs se répandent déjà sur les pénuries alimentaires observées au printemps, bien que la directrice Aya Amgar ait déclaré que son supermarché était bien approvisionné. Nous ne manquons de rien. Il y a des œufs, du papier toilette et des produits contre le fameux coronavirus, comme des masques, a-t-elle euh, dit. Je suis prête. Il y a plus de monde ce matin. Difficile de dire si c'est à cause des vacances ou à cause de l'annonce. Du deuxième confinement, a-t-elle déclaré à l'AFP. Ceux qui soutiennent les nouvelles mesures gouvernementales soutiennent que l'impact économique sera limité en raison des nombreux jours fériés dans ces semaines à venir. Mais les dommages que le verrouillage pourrait avoir sur la santé mentale sont largement préoccupants. Je vois beaucoup de gens demander des produits pour dormir et contre l'anxiété, a déclaré Yoram Poplinger, 61 ans, travaillant dans une pharmacie du centre de Jérusalem. Jody Twati, une travailleuse sociale de 34 ans, a déclaré que la fermeture, la fermeture serait particulièrement difficile pour les personnes âgées. Je comprends, que, je comprends le risque pour les personnes âgées assises à table avec beaucoup de monde, mais vaut-il mieux les laisser mourir seules, dit-elle. Euh, Vacnin, euh, 70 ans, a déclaré qu'elle était tellement déprimée à l'idée d'être seule pendant les vacances, ils auraient pu le faire avant. Pourquoi maintenant, pendant la période des fêtes, se demande-t-elle? Donc, c'est le genre d'information que j'aime vous partager parce que ça te parle aussi du monde ordinaire et de ce que les gens ordinaires ont à vivre. Par même temps, ça te montre à quel point c'est un problème majeur. On vit une année extraordinairement unique dans l'histoire de l'humanité. Puis que tu beau essayer de convaincre les gens que <laughs> c'est une petite grippette. Wow! Tu vas vraiment avoir besoin de travailler fort pour convaincre les gens qui ont une tête sur les épaules. Je vous reviens.